Christophe Lannerou qui était contré avec Oussama Tanan qui va pouvoir récupérer et déclencher cette première accélération. Il n'a pas été déséquilibré, c'est en tout cas la décision de monsieur D'Amato. Le pressing est bon derrière, même si ce sera une sortie but. Théophile Catherine avec la remise d'Oussama Tanan qui manque de précision, qui a été récupéré. Un bon entend par Ronald Vargas. Le bon travail de l'arrêt du côté des Grecs pour bien suivre tous les déplacements. Regardez, ici, il est chassé. Et là aussi, avec Oussama Tanan qui était venu gêner cette relance. Ça permet au Stéphanois de récupérer la remise en jeu. Match de Coupe d'Europe, c'était la dernière rencontre au Parc Saint-Jacques de Bâle, défaite de buts à 1. Une statistique intéressante à prendre avec Saint-Etienne, seulement deux défaites en fin de la moindre imprécision technique. Il va falloir beaucoup de justesse de part et d'autre, notamment côté. Toujours Vargas à ses côtés, Oussama Tanan s'appuie sur Amouma, le jeu à 3. Profil Catherine face à Didac Villa. Tanan. Et non. Là, il tombe trop facilement pour l'instant, Oussama Tanan. Accrochage, pas de coup de pied cette fois-ci, et Tanan est passé. Tanan cherchait à prendre de la vie. Et Florentin Pogba en profite pour venir parler à Christophe Galtier, lui dire on a du mal avec le marque. Deuxième poteau s'est repoussé. Et pas de main de la part d'Oussama Tanan qui peut récupérer ce centre. Et il se donne en Montalos. Et encore une fois, on parvient à s'intercaler entre les lignes et ça pose beaucoup de problèmes. Et par rapport à Saint-Etienne. Par rapport à sur la discussion entre Pogba et Christophe Galtier, je pense qu'il. Une mauvaise relance, mais bon, retour de Ronald Vargas sans faute. Tanan. Il attendait l'appel, la solution de Pierre-Yves Paul. Le moine avec Selnes. Tanan. Latéralement jusqu'à Fabien Lemoine. Selnes, il va falloir mettre davantage de rythme dans la transmission, notamment pour déséquilibrer cette défense grecque. Le ballon contré qui peut profiter à Tanan, peut-être sera le cas porté au fil Catherine qui va pouvoir s'appliquer sur ce. C'est des verts au milieu de terrain norvégien, déviation de Tanan en une touche, ça c'est bien fait porter au fil Catherine. Ouais, la prise à 3 dont vous parlez, là c'est à 2 mais quasiment à 3. C'est le fait d'être en supériorité numérique. Direct sur Beansport, Amouma qui est parti dans ses œuvres. Romain Amouma, il a pu trouver Pajot. Le relais recherché, mais il n'y a pas de hors-jeu. Oh, il est accroché par Chigrinski finalement. Le retour jugé licite de la part. Possibilité de le négocier ce ballon. Là sur ce 1-2. Il est accroché, ça c'est certain. Là la remise, on va voir, il va se... Nolan Roux. Barça Vargas. Tanan. Il est passé Oussama Tanan une fois, deux fois le relais avec un mouvement. La frappe d'Oussama Tanan. Il a été légèrement contré, il me semble, et ça file directement dans les. L'action, l'offensive de référence après ce déboulé de Tanan, la demande. Exactement dans ce. Là où on l'attend, dans la percussion comme ça, rester. C'est plus facile d'un coup, Xavier, quand vous êtes en 1 contre 1. On vient de le voir avec Tanan que quand vous avez situation offensive. Et l'ambiance qui monte maintenant forcément à Geoffroy Guichard. Le pied gauche d'Oussama Tanan avec la montée du capitaine Loïc Perrin bien sûr. Ça bouge à l'entrée de la surface de réparation. C'est parti pour Tanan, c'est frappé deuxième poteau. Et Saint-Etienne et la EK Athènes. Une période animée, hein. On pouvait craindre sur un premier match comme ça avec ce qu'on sait de l'enjeu qu'on a décrit en présent. Côté de la SSE notamment. Quelques jours simplement pour renforcer cet effectif de la EK. Pour Didac Villa, le retour de Tanan. Pas de coup de sifflet de monsieur D'Amato et Théophile Catherine qui peut retrouver l'international marocain avec Nolan Roux. À un moment donné, il faut être lucide dans les duels. C'était vraiment l'une des consignes de cette mi-temps côté stéphanois. L'image de ce duel remporté par Tanan. Oh, il y a faute. Le coup de sifflet pourtant s'imposait là, monsieur D'Amato, parce qu'il avait fait la différence, Oussama Tanan. Oui, avec son crochet derrière la. Ici, vous voyez la feinte. Et duel remporté par Selnes. Pas de faute. Pas de faute à non plus. Tanan qui peut récupérer dans les pieds de Didac Villa. Ouais, c'est là où il faut mettre.
gauche de Tanan, c'était vers le Lannerou. Duel remporté par Chigrinski. Tanan qui remet en première intention, pas de hors-jeu pour Lannerou. Et la sortie d'Anestis, attention parce que ça peut faire. Pajot, le petit ballon piqué pour Tanan. Avec le déplacement d'Amouma. Ah, il a trop tardé Oussama Tanan, même si il va obtenir un coup franc. Il y a une main. Il y a quand même du monde hein, qui, avec Lannerou. Tanan avec un peu de réussite par le Ligue Europa, en tout cas du tour préliminaire, remporté par l'AEK. On se suit dans leur réorganisation. Oh, Tangatier, la sortie d'Oussama Tanan, remplacé par Robert Beric. Alors est-ce que Lannerou va glisser à droite pour laisser l'axe à l'international slovène? S'il y en a un des deux, de toute manière, qui doit jouer dans un couloir, Xavier, ça sera certainement plus Lannerou, évidemment. Allez, on a vu le signe hein, immédiatement de la part de Robert Beric, qui est venu demander à l'ancien Lillois de venir se positionner dans le couloir.